Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Carte Karting TV. Aujourd'hui, on se retrouve sur le châssis Soddy Futura et on va changer les plaquettes de frein. Voilà, alors j'ai commencé à desserrer les écrous, les vis de l'étrier. Tout est débloqué. Maintenant, je peux les défaire à la main. Je vais défaire les deux vis. Voilà, donc j'ai reçu mes plaquettes, donc maintenant je vais pouvoir les changer. Repartir avec mes plaquettes neuves. Alors j'ai la petite tige qui est en travers qui tient la plaquette. Il y a une petite goupille à l'arrière. J'enlève. J'enlève la petite tige avec une pince. Ça vient tout seul. Et voilà, j'enlève mes deux plaquettes. Donc les deux vieilles plaquettes. Alors, c'est des étriers, c'est un système de frein Brembo. Et c'est des plaquettes de frein qu'on trouve sur les Ducati 600 Monster de 94. C'est le frein arrière et du coup, c'est les mêmes. Donc, du coup, pour ces vieux châssis de 1993. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive encore à trouver les pièces grâce aux pièces moto. Donc ça peut être aussi bien des c'est adaptable sur plusieurs, c'est monté. Ce système de plaquettes est monté vraiment sur plusieurs motos. Donc c'est le même aussi que le 125 TZR de 94, 95, 94, oui. Donc là, c'est les plaquettes de frein du 600 Monster. Et c'est un frein Brembo aussi. Donc là, ça va aller pile poil, c'est exactement les mêmes. On monte ça dedans. Donc vous comprendrez bien que ma petite tige passe comme ça et la plaquette est retenue grâce à cette tige. Voilà, comme des trucs de moto. C'est exactement ça. Allez. Donc ouais, j'étais content quand j'ai trouvé ça. Que j'ai pu acheter ça dans un truc de moto, je dis oh là là, je vais avoir du mal à trouver, et en fait, impeccable. Donc, pas obligé d'aller dans un magasin Ducati, chez Yamaha, le Tazadair aussi, c'est les mêmes plaquettes. Voilà. Donc, ça y est, mes plaquettes, je remets un petit goupille. Tourne, mettre en face la fente. Voilà, la petite goupille est mise. Voilà, ça y est, les plaquettes sont mises. Hop, hop. J'enfile dans mon disque. Bien sûr, j'ai repoussé les étriers à la pince, hein, avant. Parce que là, c'est des plaquettes neuves. Pour que ça repasse. Je mets mes deux vis, j'ai plus qu'à serrer et c'est bon. Allez, je monte ça. Comme ça, j'ai plus qu'à serrer. J'ai plus qu'à serrer à la clé. Donc voilà, les plaquettes sont montées. On va se voir pour la purge des freins après.